Et salut à toi, jeune spartiate, comme tu le sais, on est en décembre. Il y a quoi en décembre? C'est le calendrier de l'Avent, tout simplement. Je voulais vous remercier pour cette année d'engouement, que ce soit sur ma chaîne Twitch ou YouTube. Du coup, je voulais vous faire plein de cadeaux. Et du coup, du 1er au 25 décembre, vous allez avoir des cadeaux sur ma page Instagram que vous avez en dessous dans la description. Il y aura des posts qui apparaîtront avec comment participer. Donc, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter, du coup, les posts en question avec les cadeaux que vous bénéficierez avec un tirage au sort. Vous verrez ça, du coup, sur la page. Après, pour ce qui est de YouTube, j'ai une chaîne YouTube qui est principale, celle où tu es à l'heure actuelle, ou peut-être la secondaire. Je fais gagner par vidéo 10€ de RP. Du coup, si tu veux participer, c'est très simple, tu likes la vidéo, tu t'abonnes à la chaîne et du coup tu me mets en commentaire un message et tu me mets un moyen de te contacter, que ce soit une page Twitter, une page Instagram, peu importe, tu me mettras ta page et si jamais tu es tiré au sort, c'est moi qui viendrai te contacter. Voilà, c'est très simple. Du coup, merci beaucoup d'avoir suivi cette expo. Ouais, Conqueror a été up les gars. Ouais, j'ai arrêté mon activité de pizza à la team, ouais. Je suis devenu streamer, youtubeur à plein temps, dirigeant de colonie. Je fais les kermesses, les mariages, les boîtes de nuit, genre je suis... Bon les gars, je lis plus le chat. On est repassé en master, c'est des games minimum plus tryhard. J'ai besoin de réussir à gagner ma première game, comme ça je suis chillax un max. Mes runes c'est en bas à gauche, regarde. C'est ici là. Allez. On y va. Tryhard only. Je joue contre Jax. Bon, on est full shield au bot. C'est pas une lane facile à gank. On va manquer un peu de dégâts. Par contre, si j'arrive à être bien dans la game, je vais être vraiment bien protégé. Merci écrasatateur pour les 2 mois, merci beaucoup. Jax, l'étale tempo. Merci Smash pour les 5 mois. Merci beaucoup. Et pourtant je suis toujours là. J'ai la prio, du coup je peux jouer le scuttle. Ils ont un bon scaling, faut faire attention. On en a pas un mauvais non plus, mais on est full AD. Enfin, full AD. Surtout que les dégâts principaux vont être sur Jace et moi, quoi. Et Lucian. On lui enlève la vision, du coup il va jouer différemment parce qu'il va se chier dessus dès à présent. Ok, c'est pas dégueu là ce que je vois. Ses yeux reflétaient un monde. Oh, dommage. Il meurt derrière. Oh la 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 la. Oh, c'est pas beau.
Jax, il avait toujours pas bug, j'ai un bug d'avance. Cette brume ne connaît qu'un remède. Et je la trouve. Cette longue nuit de cruauté. Je suis déjà un monstre. Ok, ça va être compliqué, je suis vu de partout en fait. Je sais qu'il y a plus de TP, je crois que c'est le Sion qui a TP bot si je dis pas de bêtises. Du coup j'ai de quoi faire. Ah c'est Anivia. En vrai, ça se gang de fou au bot, mais putain, je suis déjà engagé sur le deck, quoi. Normalement, ils sont morts, hein. Merci, Kedia. Merci Aldes pour les 3 mois, merci Makai. Lucian m'a pris le bleu. J'espère qu'il va en faire bon usage. Dommage. En fait, j'ai dit fais attention au top parce que je savais que Jax allait arriver top. Tant mieux, le Jax n'a pas d'assist. Ce qui est bien, c'est que dans leur team, ils ont pas vraiment des persos Serpent Fang. Du coup, pour contrer Seraphine et Ivern, ça va être compliqué. Ça n'a aucun sens. C'est quoi ce botlane? Bon, il a invoqué un Pokémon, l'autre, et derrière, il y a l'autre qui fout shield. Bon. Qu'est-ce que c'est que ça, frère? Le mec, il est là, il joue une botlane contemporaine. Et t'as l'autre, gros, il envoie un golem. Ouais, je savais qu'il était là. Que suis-je si mon ombre affamé de ce que je fus? On dirait que j'ai 14 ans, frère, c'est grave. Après, bon, je suis un ex au TP Chaco, donc vous attendez quoi de moi, quoi. Est-ce qu'il va vouloir proc le démolish?
On va rejouer bot side, pourquoi? Parce que bah, j'ai fait Drake et Herald. Du coup j'ai juste à rejouer sur le timing du Drake et on est bon. Ça va se passer bot, Jax et bot. Ils vont jouer avec la TP de Sion aussi. Sion il va sûrement arriver avec l'ultime au bot là, il faut que je sois là. Ah. Et Anivia. Si vous vous posez la question de pourquoi j'ai R, c'est parce que j'avais le shield de Hiverne sur moi. Et du coup si j'arrivais à le toucher avec le shield, il était forcément slow et du coup il était mort à 100%. Ça c'est parce que je suis joueur d'hiverne que je sais ça. Parce que le shield d'hiverne, il slow tellement fort que le mec n'a aucune chance de s'escape. Et mon Diego il est tellement énervé. Let's go. Ouais, mon air slow aussi, ouais. Mais ils sont en train de smurf là. J'ai l'impression que mon micro sature, t'as augmenté le gain. J'ai pas augmenté le gain, mais je peux baisser ça si tu veux. Hop, j'ai baissé le son là du micro. Est-ce que c'est mieux? C'est un peu trop bas. Alors attends. C'est là peut-être. J'ai baissé légèrement le gain. Est-ce que ça grésille moins là? C'est via mon compresseur son, c'est un petit souci. Ok ok, parfait. On reste comme ça. Le Jace fait un peu crush. Combien d'AP? Un seul BRK. Stock est trop beau le démonium. Salut Claim. Content que la story t'ait plu. Je suis obligé d'aller aider le top sur ce timing, on n'a plus la vision sur Anivia et si ça se passe mal au top on peut perdre le game. Juste à besoin de reste. Agressif ça monsieur. Frère c'est quoi ça? Oh les patates de forain qu'il mettait ce chien. Oh le sûr, on aurait dit le film Bienvenue à Zombieland mec. Merci Sayen pour le prime. Qu'est-ce qui se passe là? Les
Est-il possible de baisser juste le son du jeu pour entendre un peu plus la musique et toi? Est-ce que c'est l'avis de tout le monde? Est-ce que vous voulez que je baisse légèrement le son audio du volume principal? Ah là, il n'y a plus le chauffage, là, ouais, c'est normal. Hein. Non? Non, tranquille. Ok, ça fait pas l'unanimité, gros. Désolé. C'est une aberration, les gars. Et je dis pas ça par rapport au jeu de mots. C'est illogique. Je prends 900 de dégâts d'un perso qui est mort, gros. Ça n'a pas de sens. Je prends plus qu'un ultime de Karthus sur un champion qui est décédé. La musique est trop forte. Je la baisse un tout petit peu, alors. En vrai, ça fait chier, j'ai mal joué. Ce genre de d'erreur, c'est ce qui peut me coûter des games. Voilà, et tu vois, là, ils vont mourir. Ça fait beaucoup, beaucoup d'interrupts. Aïe, aïe, aïe. Ah ! De les ramener. Votre tourelle a été détruite. Votre tourelle a été détruite. Un allié a été tué. Consume tout. Isolde n'est plus. J'ai plus de smite. Jax est top vu qu'il vient de mettre l'Hérald. Frère, c'est bon le slow-bruit à Nidia. C'est un enfer. Merci le gitan pour les nains, merci Makai. Ton année de fidélité. Elle va être dure la game, hein. Il faut vraiment la BRK pour tuer le Sion, le Jax pareil, la série assez costaud. Trop d'erreur. Le Jace ne me rend pas la tâche facile. Qu'est-ce que fout la Séraphine ici? Qu'est-ce que fout la Séraphine à cet endroit? Oh là 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 là, c'est pas beau. Ah. Merci Sazu pour le prime. Je savais que j'allais le one shot avec la BRK.
Ça va le body block des creeps. Je mets 3 niveaux à Jax. J'espère qu'il va pas win quand même. Faut déconner quoi. Faut juste jouer le prochain Drake et on est pas mal. Pas mal de dégâts AD. Sterag va être très apprécié. J'aime trop Viego à Exit, c'est très très grave. C'est comme toi quand tu jouais Nami et que t'étais trop heureux qu'elle était buff. Bah c'est pareil. On peut utiliser l'ultime au corps à corps, ouais. T'es pas obligé de le mettre en max range avec Viego. Et bonjour, merci monsieur Flashow. Merci pour le sub, monsieur Flashow dit. Ça va, écoutez, tranquille, on est au max aujourd'hui. T'en es où maintenant? Bientôt 400 LP ou pas là? Ou on est plus redescendu vers les 300? Ouvre-moi le passage. 408, excusez-nous monsieur. Tu deviens un grand homme maintenant. On ne traîne plus dans la même cour quoi. Merci Bucket pour les 3 mois. Une couronne perdue depuis longtemps. Une renaissance dans la non-vie. La solitude loin d'un amour unique. Faire attention, on est pari groupe. Après bon, on a le Drake Océan, ça nous donne un sacré avantage.
Ça va, fight bot. Trop d'erreurs. Ah mais j'ai pas de R. Mais je suis une merde, j'ai pas de R. Je suis en fort. Je suis encore en vie. Ta mère, je suis... Allez, focus. Play Nash à 5. Gros, je vais pas perdre ce game, je suis désolé là, s'il vous plaît. S'il vous plaît là. Qu'est-ce qui se passe? Putain, je pense que j'étais persuadé quand j'ai jump sur la Jinx que j'avais mon R. Je me suis fait bait. Salut Crawler. Avec le R là, je tue tout le monde. Allez, gars, je tue Jinx, je tue tout le monde après. Il a le Serpent Fang lui. Casse les couilles ce chien. J'en ai marre. Regarde-le, il est plus actif mort que vivant. Ça me casse les couilles. Non, j'ai arrêté l'étal tempo les gars. Le Conqueror s'est fait up, il reste un peu plus longtemps. Après ça reste toujours très fort et attention. Mais vu que ça reste une seconde de plus, ça te permet de le garder plus longtemps dans les fights. Oh là là, le stun sur Lulu. Il est beau, il est beau. On a tout simplement pas l'idée de prendre l'inhib et l'inhib. La transformation en Lulu ne m'a pas rendu tanky. Merci Trapatip pour les 5 mois, merci beaucoup. Bonjour mon petit Sixen, la raclette était bonne, très bien. Très très bonne. Bon, merci beaucoup. Bonjour mon petit Sixen, la raquette était bonne. Très bien. Très très bonne. PTA, t'en penses quoi? Ça peut être pas mal. Après moi je trouve que c'est trop dans une optique mono-cible. Alors que Viego est quelqu'un qui... Enfin, un personnage qui peut vraiment faire la diff sur un long fight. Du coup autant saisir une rune qui te permet de faire ça. Soit l'étal tempo, soit Conqueror. Je sais pas qui honore entre les deux là. Et les deux ont très bien joué. On va honore Ivern, passer mon perso de cœur en soi.